Re-YouTube. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hein, je vous ai oublié, mais voilà, ça fait que 2 minutes. J'ai essayé de relancer la quête, là, qui était foirée. A priori, on peut, mais là, je viens de m'y rendre et y a rien, quoi. Donc, on va aller faire autre chose. Bon, normalement, là, c'est pareil, il y a mon... Merde, aïe, aïe. Il y a un truc caché, il y a un coffre. Je sais pas où il est, hein. Je vous avoue que le coffre, j'ai pas réussi à trouver où il était. Bref. Putain, le mec il me backseat là, il me spoil. Pourquoi? Non, je sais en fait. Je sais que c'est Hanging Rock parce qu'il y a le la petite carte au trésor là, bim. On la sort et on voit le rocher et on voit la corde. Mais après, j'ai pas réussi à retrouver les 4 gros rochers, les ferrés rochers avec l'arbre derrière. J'ai pas réussi à trouver donc. Mais oui, j'avais compris que c'était Hanging Rock. Mais c'est tout. Derrière, où c'est exactement, je ne sais pas. Faut aller où là? Ah d'accord. C'est pas dans le bled. Ok. J'en dis pas plus, mais t'as les infos. Ouais, non, faut juste que j'arrive à retrouver. Mais évite de me balancer comme ça les endroits où c'est quoi. Bearing. Ouais, non, j'avais fait le rapprochement entre le gros rocher, tout ça. Déjà, ça y ressemblait, puis après, quand j'ai vu que ça, enfin, il y avait la potence aussi. Bon, ça doit être là, quoi. Dans la vie, il y a ceux qui creusent et ceux qui ont un pistolet chargé. Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. West Dickens. My name's Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for one second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look. Scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner, he stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that then? The map, partner. The map that tells me where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine. It's mine, all mine. Putain, c'est Gollum! C'est Gollum! He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people, they feel differently. Not Moses. Him and me are the same. The self same. Come on, Seth. Let's go see Moses, get you your map back. Then maybe you'll help me. All right, partner. Let's go. Come on then, partner.
How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Ha, hypocrite. The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talk to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rough. I met some sick bastards in my time, Seth. But you, you're special. Folk is cold and heartless all their lives. To me, they gets warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Un peu chelou, là. Un peu chelou, Graham. Je... I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Seth, I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke, and all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who'll do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. Okay. About this map? Nothing much. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a raging fire I can't put out. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know. I can smell you from here. Oh, it used to be about the money, but now... I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Ah, a priori, ça emménage à côté. You know? Maybe it's time you moved on. No way I can stop now. It's taking me over. There's no difference between night and day. Vu le bruit, a priori, ça emménage à côté. Let's stop here a moment and come up with a plan. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract them so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. T'as la dégaine du gars, quoi. C'est des shérifs. Coucou Gabel. Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. One god awful assignment. La 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 la. Ok, c'est bon. Je suis plus recherché. Ouais, tombe pas. Vous êtes plus recherché, mais votre tête est toujours mise à prix. Ah, merde. Ouais, ça c'est le tuto pour savoir comment faire quand on fait des choses pas bien, quoi.
Carte. Est-ce qu'il y a de... Je me demande s'il y a d'autres moyens de... De faire certaines quêtes sans, sans forcément suivre ce que le jeu nous dit en fait. Parce que des fois par exemple il nous dit tuer machin alors qu'on peut juste les lassauter. Là il me disait de piquer le cheval, mais est-ce qu'il y avait un autre moyen en fait de trigger les mecs quoi. Mais je veux pas me... Je veux pas me battre avec la marée chaussée, moi. Ouais. On va voir si ça marche, hein. Putain, il court vite, ce con. J'ai réussi! J'ai réussi à ligoter! Ligoter, ligoter, hein. On peut pas s'échapper, hein. You son of a bitch, let me go! Just name your price! Oh, il veut me soudoyer. We'll split it between us, just me and you. J'ai pas appelé mon cheval exprès. Hein. You must be stupid trusting that crazy bastard. En même temps, t'as pas l'air nickel hein. Les petits pas là. Seth did sell his own mother. Allez là. Who do you think you are, mister? Who do you think you are? Did you think I would find you, Moses? Blum. Moses, you son of a bitch. Where's my damn map? Damn you, Seth. Damn you, Seth. You've always been a twisting little freak. I ain't telling you shit. Then I'm gonna cut you off piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston. I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. odd fellow's rest. It's an odd fellow's rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. Come on, ain't no time to be wasting. Quoi, supérieur droit affiche que les chasseurs de primes sont à vos trousses. D'accord, ok. Hello.
Achetez votre prime, rendez-vous dans un bureau de télégraphe. Je paye ou l'aide de grâce. L'aide de grâce comme celle de 7 vous a remise vous permet également de vous racheter. Je vais payer, j'ai plein de thunes. Anything for a quiet life. Mary swears she's seen treasures in the Tumbleweed Mansion basement. J'avais plein de thunes. So, mister, thanks for your help. Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. Ok, la réputation qui augmente. Pourquoi j'ai un... Attendez. Attendez, y'a quelqu'un qui a besoin de quelque chose là. Ah, non d'accord. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a, de quoi il a besoin? You look like you've seen trouble, mister, enough for 100 men. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. Whatever you say. Cold, tough, but with a heart of gold. The cowboy sings his lonely song, like a dog whose bone is made of wood. Excuse me? Oh, nothing. I was just writing my next piece. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying, mister. Yeah, my ma felt the same way. And now she wrote me out of her will and no hope for any of us. Jimmy Saint, sir? At your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh so witty and oh so pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find too. Wild men, cheap women, you know, guns, that sort of thing. Wow. Guns. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, sport. I tell you, mister, the time of my little old life. Howdy. Howdy. Ils me font trop marrer quand ils disent ça. Ah mais c'est mort en fait, j'ai plus le... Qu'est-ce qu'il fout là-bas lui? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Alors un gros appétit, je vais pouvoir le refaire, mais il y a... Il y a Nigel... qui est en train de faire des bêtises a priori. Quoi? Mais d'où tu me parles comme ça toi? Allez c'est parti, un petit coup de cheval. C'était quoi comme plante? Il faut que je récupère des plantes. En plus c'est ce qu'il faut que je récupère, trop bien. Y a pas... Ouais tiens, pendant que j'y suis là. Non c'est des lapins que je dois tuer maintenant en fait, c'est vrai. C'est vrai que j'ai terminé cette quête là. Heureux Joanna.
Enfin, il est tout pas loin, quoi. Comment se porte ton bug? Eh bah écoute, alors la console a été redémarrée sur le PS Now parce que j'ai fait une pause de plus de 10 minutes et donc ça a coupé le jeu. Et là, je viens de faire une quête où fallait que je récupère un gars au lasso et j'ai réussi, quoi. Donc est-ce que c'est le redémarrage qui a réussi à faire le truc? Et la quête que j'ai foirée, celle du gros appétit, c'est pareil, je vais pouvoir la refaire en fait. Il y a des quêtes, quand c'est des quêtes obligatoires, et bah bon, du coup on peut les relancer. Enfin, on doit les relancer d'ailleurs. Howdy! Howdy! Attendez, parce que là j'ai plein de trucs. J'ai le dressage de chevaux. Mais j'ai aussi quelqu'un qui est en train de tirer là comme un malade. Quoi? Ah merde, c'est des flics! Non, 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 non! Mais pourquoi? Je peux pas recharger au dernier point. Merde! Attendez, non! Chargement auto. Auto? 12h36. Putain, j'ai tiré sur des flics. Mais comment je pouvais savoir que c'était des flics? Y'a les mecs qui arrivent, qui me pointent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà quoi! Pourquoi ça recharge là tout le temps aussi? Bah du coup je vais aller là hein. Je suis à côté donc Howdy. Ça me fera marrer. Du début à... Regarde, ils ont une étoile. Ouais, bah en même temps... t'avais vu l'étoile, toi à cette vitesse? Enfin, cette vitesse. Et cette distance? Moi, j'avais rien vu. Hein. Oh, putain, mais... la gestion du temps est vachement bien. La gestion du climat. Le petit truc du matin avec la petite brume et tout. C'est trop chouette. Mais ils sont là où les lapinous? Des lapinous, j'en avais... j'en voyais partout des lapinous. Et là maintenant on n'en voit plus des lapinous. Mais c'est pas vrai! Mais non mais... Moi je lis documentation éditeur, je regarde pas ton écran, désolé. Ah, ok. Mais putain, moi... J'ai écrasé le mec avec mon cheval, oh là là. Non mais... Je pensais pas que ça allait l'écraser, quoi. Comment on peut savoir que ça va écraser les autres? Ils se décalent.
Les gens en ville, ils se décalent. Ils restent pas sur le... ils restent pas sur le trajet. Allez, go. On y retourne. Par contre, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'ils font sur le PS Now, mais la qualité est vraiment dégueulasse là. Hein. Là, la compression, elle est. Alors niveau niveau lag, ça va. Honnêtement, je le sens pas. Mais alors la compression là, elle est immonde. Hein. Le mec était en train de rouler. Don't take me back to that man. This is a nightmare. Please, I'll do anything. Bon bah a priori le lasso maintenant il marche. Cannibals in these here hills. Please help me. What? Please. Fella's gotta eat now. Fella's got to eat. Save me from this freak, please. Please. Quoi? Mais non. Attendez. Hop. Le lasso. Quoi? Quoi? Ligote-le! Lui, je vais le déligoter du coup. Puis lui, on va le buter. Hein. En fait, c'est dès qu'on lâche le lasso, c'est mort, on peut plus rien faire. Ok, cool. J'ai fait le bon choix. A priori. C'est pas ça. Voilà. Le drôle de type, ok. Thank you.
Par contre... Ah bah oui, bah vas-y. Ah mais on va refaire la quête, d'accord. Parce que cette quête-là, on l'avait foirée, on avait tué la femme. Pas fait exprès, hein. Tirer sur la corde en premier, en fait. Je me fais baiser à chaque fois, mais faut tirer sur la corde en premier. Bon, ils sont où mes rochers là? C'est là? Non, c'est des bibiches ça. C'est pas des lapins. Moi, je veux des lapinous. Mais tout ça m'embête beaucoup parce que je trouve pas les rochers là. Les 4 rochers. Il y a 4 rochers où on voit normalement l'arbre. Un petit peu à distance. Alors c'est là-haut ? Oh, je vois pas quoi. C'est fou ça. Carte au trésor. Regardez, il y a le rock. Il y a The Rock. Mais est-ce que c'est le même? Oh putain, j'en comprends rien. Je comprends rien à leur carte là. À cet angle là, il y a un et après deux. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on est de l'autre côté, non? J'ai l'impression qu'on est de l'autre côté, ouais. Ah, 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 lapinou ? Non. Qu'est-ce qu'il y a mon cheval ? Oh, regardez, il y a un crotal. Non, c'est quoi ? Les serpents, on peut vraiment tout tuer hein.
quand même assez fou hein. Et donc nickel. Je l'ai aidé, trop bien. J'ai tellement de thunes. Ouais, donc le rocher, il est là. Qu'est-ce qu'elle m'indique ma carte au trésor? C'est là ou c'est pas là? Putain, je vais jamais y arriver. Non. Est-ce que les trois cactus qu'il y a à droite là, ça peut être les trois cactus qu'il y a sur le plan de gauche? Parce que si c'est ça, je suis pas du tout au bon endroit. C'est pas ça. Je sais pas, honnêtement, j'ai aucune idée d'où c'est. Otto, t'es toujours dans le coin ou pas hein? L'arbre semble être derrière le rocher, non? Tu sembles être à l'opposé. Alors sur le 1, c'est ça. En fait, attendez, hop, je me mets bien. Je crois que sur le 1, on est dans un truc comme ça à peu près. Non ? Y'a. Y'a des cactus. Un rocher devant là. Mais l'angle du 2, j'arrive pas à voir où c'est quoi. Ah c'est plutôt ça en fait. Il y a le rocher là. Ou alors c'est beaucoup plus loin. Genre sur les hauteurs. Le rocher qui vient de passer, non?
Quoi? Qu'est-ce qu'il gueule? Je pige vraiment rien. Hein. Oh, un lapin. Je sais pas où c'est. J'ai aucune foutre idée d'où c'est. Aïe, pourquoi je m'en... Pourquoi je m'en prends plein la tête là? Remonte la carte. Laquelle? La carte au trésor. Voilà. En fait, ce qui m'étonne, moi, c'est le... Voilà, là, regardez. Il y a la corde. Il y a la corde qui est là. Donc je me dis, est-ce qu'il faut pas aller au niveau de la corde pour regarder? Le 1 et le 2 montrent le même art sous deux angles différents. Allez, monte, oh là là. Fais exprès. Le 2, l'emplacement exact du trésor. Là-dessus, on est d'accord. Mais est-ce que c'est pas plutôt ça? Non? T'es pas du tout au bon endroit. Ah oui, non mais ça j'avais compris en fait. Regarde ta carte et on en parle. Bon. Oui, on est d'accord. Alors justement, j'avais un doute là, parce que depuis 12 heures que je tourne. Oui, effectivement, le 1, c'est pour nous dire c'est à Hanging Rock. Et le 2, c'est pour dire, regardez, enfin regarde, quand à cet angle-là, on voit l'arbre de Hanging Rock. Et il y a 4 rochers, et le truc, c'est dans le milieu. Mais j'arrive pas à trouver cet angle, en fait. J'arrive juste pas à le trouver. Le premier,
Le premier, c'est ça en fait. Voilà. Ça. On est d'accord. Je vais trop loin, mais je suis pas trop loin là. Et le rocher. Non mais il y a plein de rochers. Ça s'appelle Singing Rock. Le gros. Alors le rocher entre toi. Voilà, là je l'ai mis. Entre moi et l'arbre. Regarde l'arbre. Là ? Non. Là ? Non. Oui, si j'y suis là. J'ai pas du tout quatre rochers. J'ai pas du tout 4 rochers là, regarde. Ah, ils sont pas. Il y a encore un lapin là. Lapinou. Je l'ai eu. Putain, j'ai eu le lapinou. Imagine le gros rocher vu de. Je pige rien à ce que tu me dis. Hein. Viens au vocal, ça sera plus simple. Putain, je pige rien. On en est où? On est là. Bim. Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui. Ah. Je suis là. Oh non! Tu m'entends? Bah oui, je t'entends. Oui, je t'entends, mais. Attends, je vais juste couper le son de ton stream parce que sinon je t'entends en double, c'est horrible. Bah attends, bah. Alors, c'est pas grave parce que le PS Now vient de cracher. Ah merde. Oh. En fait, putain, le problème, si tu veux, c'est que t'es passé deux fois à côté de l'endroit où le trésor se trouve, mais t'es littéralement passé dessus en fait. Parce que le dessin, t'essayes de le faire correspondre avec une vue. Avec ce que tu vois à l'écran. Et en fait, si jamais tu voulais réussir à retrouver exactement la vue telle qu'elle est, il faudrait que tu mettes ta caméra en vue plongeante assez haute. Et tes quatre rochers, en fait, tu les as déjà vus. T'es même passé entre les rochers, puisque c'est le gros rocher qui est à côté de l'arbre, en fait. C'est cette formation rocheuse qui est dessinée. Sur le 1 ou sur le 2 ? Sur le 2, mais sur le 1 et sur le 2 en fait. Tu vois le gros rocher, tu vois, sur le 1, t'as l'arbre avec le gros rocher. Et ben le gros rocher que t'as sur le 1, c'est le plus gros des rochers qui est sur le 2. Celui qui est au milieu.
Et en fait, les autres, ils sont littéralement collés dessus. Il faudrait que tu mettes ta caméra en énorme contre-plongée pour avoir cette vue-là. D'accord. Alors attends, est-ce que le jeu est en train de se relancer? Ah bah attends, la capture est morte, c'est super, je suis ravi. Et de manière très littérale, t'es passé, mais genre, je t'ai vu passer 4 fois dessus. J'avoue que je comprenais pas en fait la logique du dessin et autres, et comme j'ai pas la manette en main, bah du coup je peux pas bouger pour voir la manière dont j'aime voir. Donc j'ai été voir sur une vidéo en ligne, et c'est vraiment un problème de perspective en fait. D'accord. T'essayes de choper un truc, mais pas en le prenant avec la bonne perspective. Du coup, tu le trouveras jamais de la manière dont tu le fais. Oh, mais c'est ouf, quoi. Enfin, pourquoi ils ont fait ça? Je pige pas. Enfin, mettre une carte. Mettre une carte où tu piges. Bah, j'en démarre avec les cartes, moi. Bah, fondamentalement, non. La carte est pas illogique et elle est même. Bah, si, on a l'impression que c'est super loin. Enfin. La personne qui dessine est super loin. Elle est peut-être sur la colline d'à côté ou autre pour avoir un tel point de vue, ouais, en fait. Ouais, mais sur la partie 2, entre l'arbre et les 4 rochers, il y a vachement de distance. C'est parce que c'est un dessin. Et que quand tu dessines, tu ne représentes pas réellement la réalité. Et que si jamais la personne elle est suffisamment loin, ça peut donner cet effet de perspective. Ouais, attends, j'y retourne. J'y retourne, mais... J'y retourne, mais je pige toujours pas. Hein. Ah mais attends. Oh non mais oh non. T'as tout perdu. Oh putain. Oh ça me saoule. 12h48. Oh bah ouais bah super. Ah oh, bah super. Merci le jeu hein. Vraiment bah toute la partie excess hein. Parce que voilà il est à coup de chapelle super donc génial. J'adore. J'adore! Bon, hein. Ça te fait quelques lapins à refaire, c'est pas grave. Non, mais c'est pas que les lapins, j'ai toute la partie avec CS à refaire et tout. Attendez, je vais essayer de. Mais non, mais pas de menu principal, arrête! Charger, auto. Parce que je sais pas ce qui m'a rechargé là. Parce que j'ai l'impression que ça fait 20 minutes que je tourne pour le rocher, donc. donc normalement, le truc avec CS, il a déjà été fait quoi. Bah ouais, en plus. Ouais, le PS Now, PC, finalement, pas ouf. Hein. Je retire ce que j'ai dit. Sony, il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais en fait, c'est dès que j'ai fait Alt-Tab, le truc a déconnecté direct, quoi. Ah, bah non, ok, ça avait pas repris la bonne sauvegarde. Je sais pas ce qu'il avait rechargé, en fait. On a l'air d'être mieux. Ah non, bah non. Non, il m'a remis un S, là. Attends, j'ai un S, mais là je l'ai pas là sur la carte. Si, là je l'ai. Oh là là. Ah, ça, c'est le genre de truc qui me saoule, mais d'une force. J'en suis désolé. C'est pas ta faute. Enfin, je crois. Enfin, si, un peu, parce que j'ai fait Alt-Tab et ça a planté là, mais. Bon, c'est pas ta faute, quoi. C'est pas directement toi qui. Mais je. Faudrait que je reteste, hein. Je vais refaire un Alt-Tab et puis on va regarder si. Si le truc déconne, hein. Quoi ? D'accord, il y a mon cheval qui m'a foutu par terre. Ok, super. Bon alors, du coup... C'est rigolo d'avoir ta voix et les réactions en décalé par rapport à... tu m'entends hurler avant. Donc, tu vas derrière le rocher. Là, continue un petit peu. Ouais, bah, du coup, j'ai 10 secondes de retard sur toi. Reste sur la route. Voilà, avance jusqu'au croisement. Le croisement, ça me semble être un bon endroit pour que tu puisses voir le... Devant toi, là, il y a un carrefour. Hein. Et je sais pas jusqu'à quel point tu peux manipuler ta caméra, mais essaye de mettre ta caméra en contre-plongée et tu verras en fait que c'est ça qui est représenté sur le dessin. Il faudrait peut-être que tu t'avances, du coup. Tu peux pas la dézoomer. Je connais pas le jeu. Non, t'as pas le contrôle sur le zoom. Hein. Donc c'est les 4 merdiers ici. Oui. C'est ces 4 là. Oh là là, le tas de... Ça y est, j'ai trouvé les rochers. Ouais, t'es littéralement passé plusieurs fois. Ouais, bah je sais. Je me rappelle. Je me rappelle d'être passé. Hein.
Ouais, bah j'espère que les autres cartes... j'espère que les autres cartes vont être plus compréhensibles, hein, parce que... Parce qu'au début, de la manière dont tu, dont tu faisais les trucs, ce que j'avais compris, c'est que c'était... c'était un seul paysage. Et donc, je comprenais pas où étaient les rochers qui étaient loin de l'arbre. Et après, j'ai compris, en fait, que c'était deux fois la même... Ah, bah, deux dessins complètement différents du même endroit, en fait. Ça, j'avais compris dès le départ, quoi. Mais alors... Ah merde, on peut plus voir la carte du coup, là ça va être une deuxième, ça va être une autre je pense. Et donc ouais voilà, faut que tu fasses... les angles de vue sont un peu bizarres, donc faut que tu fasses attention à ça. Ouais bon bah voilà, du coup là c'est une autre carte quoi, mais ok, bah je ferai attention. Je ferai attention. Bon attends, je vais... Bon, moi je t'abandonne. Ça marche. Je retourne à mes fichiers, j'arrive pas à bosser aujourd'hui, cette journée à reprise, c'est horrible. Bah, fais le minimum. J'ai un dossier énorme à traiter, c'est infernal. Ah. Bon, à peluche. Eh bah bon courage et merci beaucoup. Alors on va tenter Altab. J'ai fait Altab là. C'est bon. Je suis toujours dans le jeu, ouais. Trop bien. Bon, faut faire gaffe, hein, du coup, à savoir... faut clairement faire gaffe aux sauvegardes. Putain, faut que je me retape vraiment tout le truc de CES. Vraiment. C'était long, c'était chiant. Mais bon, pas trop le choix quoi. Mais du coup, attendez, le journal. Les défis. Bah non, un drôle de type. Non, c'est bon en fait. Tuer 5 lapins par contre, ouais, les lapins c'est mort. Les biches. Ok. Non, ok, bon. Finalement, j'ai perdu moins que prévu. Alors qu'est-ce qu'il a notre pote ? Notre pote... Doucement quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Hey John ! Hey partner ! Get what you need ? Ready to help me ? Not quite. Not quite ready. You see, I wasted a bunch of time looking for that last bit of map. And I got to thinking. Moses was a liar, and I imagined myself doing all kinds of unpleasant things to his corpse. And then I realized... Realized you were sick in the head? That you needed to move on with your own limited time on Earth? No, partner. I realized Moses were no liar. The issue was Aiden O'Leary, who said he had the body. Aiden died in that flu epidemic, and the bodies weren't even buried yet. Got the body sitting in the back of that wagon behind you? Yes, sir. You're not even gonna wait until they're buried before you... Well, they don't care, do you, boys? Honest folk off to a better place. Apart from that Aiden O'Leary fella, I never liked him. Oh, il a les mains dégueulasses. He lay with his sister. I don't like women, partner. I don't. Not since Mammy died. Oh, il a un petit problème lui quand même. What are you gonna do with those bodies? I'm gonna take them back to a nice quiet spot and look for the map. I need the map, partner. I need it. I think we should be getting out of here, partner. Ok.
but we can search these sleeping beauties. Allez, c'est parti. Un petit tour en carrosse. Bon, je pense qu'évidemment on va se faire attaquer hein. Keep to the left. We don't want to roll through town with these bodies. Where are you? Come on, don't be shy. What did you say? I didn't say nothing. Are you talking to them? So what if I am? I feel less alone with them than in a crowd of people. The way I see it, they lost their souls, just like me. Yeah, I'm chelou, hein. Sick man, Seth. You remind me of why I hate people. For a man who kills so much, you sure seem to have a problem with the dead. Life kills everyone in the end. They ain't so different from you and me. T'as une ouverture, je pense. Il a tué des femmes pour les fouiller, pour trouver une carte et tu l'aides. Calm down. You talk to the corpses and I'll drive the wagon. Non, il les a pas tués. Non. All done with this one. Il est en train de fouiller pendant. Oh là là. Mais non, mais... Christ alive! It's the map! I failed the map! Merde! J'ai foiré. Bon, c'est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a John, il a sauté du truc. John, il a sauté du wagon. J'ai pas compris. Partner, you're stupid.
port. Relax. I just want a little look-see. Go left here, partner. Where's my map? Come on. Whisper to me. Keep in touch, old pal. Je suis mort. Regardez. Ah oui, vous me voyez même pas galérer en fait. Regardez, ça va être mieux. Ça va être mieux maintenant que vous allez me voir galérer, vous allez voir. Putain, j'ai pris la max, mais direct quoi. Mais non, mais tourne! Je vois même pas où c'est le la santé du chariot en fait. C'est le problème. Je pourrais me dire, tiens, le chariot est pété ou pas. Mais y a pas d'indication de l'état du chariot. C'est un peu relou. Merde, bon bah là vas-y, le chariot il est mort direct. Il y a les roues qui font des trucs bizarres quand même. Hein. Je pige pas. Bonjour, je comprends pas. Je l'ai tué plus vite, mais je suis pas sûr qu'il faille je l'ai tué en fait. Au début ça me disait, au début de la mission, c'était voilà, faut les semer quoi. Donc est-ce que je perds du temps à les tuer? Ou pas? Évidemment. We're on fire, mister. Thank God. Et puis on peut pas. Puis c'est très chiant en fait. Conduire et les roues, ouais, il me semble que les roues effectivement elles bougent de plus en plus.
arriver hein. À un moment ça va passer hein. Non mais voilà, bah, non mais déjà quoi, voilà. Ouais super. Vraiment très bien hein. Bon, il y a le cheval, il est mort. J'ai testé quelque chose. Hein. J'ai testé quelque chose, ça n'a pas marché. Je ne dirais pas que ça n'a pas marché. Je ne dirais pas que c'était un échec. Ah, je pense qu'il tire dans les chevaux en fait. Putain, mais c'est ça en fait, il tire dans les chevaux. Ah ouais, d'accord, ok. Le chariot est hors d'état. C'est parce qu'il bute les chevaux. Mais c'est chaud en fait. Merde, merde, merde! Move them horses, damn it! Merde, je suis bourré de route. Putain, je sais pas tirer, ouais, putain. Oh, c'est chiant. Elle est chiante, cette... Enfin, elle est pas évidente. C'est pas chiant, mais... Un de moins.
Et bah. I reckon I'll sit here a while trying to figure this out. I'm gonna be rich. When you're done with that, get over to Fort Mercer. I need you inside that place. After I find my treasure, mister. Alors, je suis où là parce que... Pour aller voir Nigel. Ça tape à côté. Évidemment, ce con de cheval qui vient du mauvais côté. Il se barre! Mon cheval il s'est bat. Oh c'est bon. Regardez, il arrive. Ça y est. Ça y est. Oh. Ah. Eh bah. Coucou patate. Oh là là là, regarde le chat. Regarde, regarde pas le chat. Regarde le jeu. Coucou patatarte. Looks right pinchy, I don't mind telling. Good luck, son. He's a wild one and no mistake. Now relax. Now don't take off now. That's it. Stay calm. Ok, allez. Allez, du cheval, hop, 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 le cheval, hop, 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 le cheval, hop, hop, hop. Hop, 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 le cheval, hop, 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 là, hop, là, hop, là. Allez, soum thème. Tadam! Par où je sors? Là. Un cheval. Mighty impressive, son. Good job. 6 balles. Genre 6 balles pour ça, quoi. Super. Ça m'apprendra à rendre service, tiens. Qu'est-ce qu'il tire là? Non bah ok. Ok, c'est parce que je me suis mis sur la croix jaune au même moment et donc du coup ça a coupé le truc quoi. How are you, sir? I'm alright. I met up with your friend Seth. Oh,
Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. Wes Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that. Ouais, sûrement, ouais. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy. Your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business, and this being... A relancer Red Dead Redemption 2 l'autre jour. Ouais, non, il est beau, hein. The lubricant with which we concern ourselves is money. Money? Ça fait que 20 minutes. T'as eu que de la cinématique, quoi. We need weapons. Armor plate for the wagon. Extra hands. And... I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? No. The sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Plus thématique, plus marcher dans la neige avec le cheval. Où est-ce que j'ai fait aussi à la fois? Activity. Where a lying, cheating, degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. Il a tellement peur de se faire casser la gueule, lui. Et il a raison, hein. Oh, pour une fois, c'est pas moi qui conduis. Ah, je peux passer le trajet. Mais non, mais on va parler avec le petit vieux. Seth is an interesting fellow, is he not? I wouldn't say interesting. More deeply disturbed. I can see why you two get along. I see the good in everybody, John. It's a flaw of mine. I have a son. Mais le début du 2 est vraiment bien, hein. Vraiment chouette. Connection with him more like. You and Seth have a lot in common. You both rob people for one. Mind you, at least he waits until they're dead. Oh, my dear boy. Nobody is more critical of drinkers than a drunk who's mended his ways. What are you talking about? Come on now, John. I've heard about you. You spent your life robbing people. It's a little inappropriate to be taking the moral high ground now. I had the courtesy to put a gun in their face. Whatever helps you sleep easily at night. J'ai eu la courtoisie de leur mettre un flingue sur la tempe, quoi. Those who had too little. A Robin Hood with spurs. Oh, romantic. You expect me to believe that, poppycock? Maybe I'll have the good fortune to be able to leave my nefarious life behind one day and work on the government's dime. Don't talk about things you don't understand. Dear, oh dear, simmer down, my boy. You need to start appreciating your friends more. Folks around here don't see you as any different from Bill Williamson. I didn't think I'd have to huckster snake oil and dig up the dead, that's all. Take it from me, John. Collaboration is the key to success. La collaboration, c'est la clé de la réussite. Business, nothing more, nothing less. There's no need to make it quite so personal. Suits me. Et il conduit mieux que moi, hein. Clairement, il conduit mieux que moi, hein. Bon, on rediscute là ou Ah, voilà. Yes, the race. Oh, come on. Time to purge that negativity and start thinking like a winner. You're going to have a whale of a time. They've been holding these
chariot races in New Austin for as long as I can remember. Les courses de chariot, oh là. Why aren't you racing then? Me? Oh no, not my thing at all. You have already proved yourself more than adept at the reins, my dear boy, and under some stress. These races are Byzantine in their ferocity, and the terrain is treacherous. People will do just about anything to win. Men die. It's a marvelous spectator sport. Sounds like fun. And you are my wild card, John. They won't be expecting you. Ah bah, je m'attends pas à mourir non plus, quoi. Think of me as your spiritual guide. Do I have to? You are a free man, of course, but I strongly recommend it. Imagine, just for today, you are not an aging bounty hunter, and I am not an avant-garde business pioneer. No, sir. Hey, le chariot, il a des sacs à suspension quand même. Gladiators. Motivation, dear boy. I'm definitely feeling motivated to get the hell out of here. Sacrée suspension. Pourquoi je me suis pas caché, regardez. J'aurais pu me cacher. Vous auriez profité de ce beau paysage. Regardez, c'est cette belle contrée. Est-ce que c'est pas mignon? Ouais, de la bonne Camelot dans le temps. C'est pas des roues made in China. Coucou. Merde, merde. Merde, c'était pas par là. Je peux pas recommencer ? Mais comment on savait par où c'était, sans déconner? Bon, peut-être parce qu'il y avait les gens en fait. Et je suis pas dernier hein. Malgré le détour que je me suis tapé. Merde, vous vous êtes planté. Voulez-vous te placer à nouveau dans la course? Sinon la course recommencera. Ouais, vas-y. vous êtes planté. J'aime beaucoup. Ah mais au moins je vais l'apprendre comme ça quoi. Là genre mais je
Ouf. Je crois que le jeu nous aide un peu quand même. Je crois que le jeu nous aide un peu. Je suis pas sûr, mais il me semble un chouïa que le jeu nous aide. Comment ça? Comment ça? Faudrait se barrer. Right. Best remove ourselves for stage before somebody decides they want their money back. Comme dans la vraie vie, il faut rester en seconde place pour suivre le premier, puis à la dernière seconde rappeler les prix. Les mérites en le doublant. Et on va se faire casser la gueule, quoi. On arrive donc là. Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish. Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Super bien résumé. La petite musique épique là. Oui, l'Irlandais. Ok. Cess, il est là. Les dressages de cheval. Là, c'est l'Irlandais. J'ai toujours Barney McFarlane. Et Nigel. Je crois que je vais prendre... chariot là. Conduire? Non, je veux pas conduire moi. Vous pouvez profiter du paysage. Ah, attendez, changer de siège, destination précédente, destination suivante. Ah oui, d'accord, ok. Plainview, Mark Farlane, Amadillo, Edgewood Farm. Bah vas-y, hein. On va aller chez on va aller chez notre pote. Passer le trajet, évidemment. J'ai pas envie que ça dure 2 heures. Première fois que je prends le... que je prends le chariot. Ma maison. Moi je veux aller à ma maison. On va récupérer des munitions et une petite sauvegarde.
Hop. Et ça va être l'heure de la pause. Bisous YouTube.